Et bonjour à tous, c'est Devil. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre aventure, l'aventure de Félix Kirnt. Trop compliqué à dire, hein, Félix. Ok. On est aujourd'hui au 6e épisode de sa survie. On a tué 318 zombies, 5 jours de survie. J'ai fait un tout petit peu de off. J'ai fait le magasin d'armes. Comment ça, un secondaire? On a passé une nuit horrible. On a dormi sur la chaise ici, dans le bar. Je viens de m'apercevoir qu'on a la coupure d'eau, mais toujours pas la coupure d'électricité. Donc il va falloir s'activer, trouver un générateur. Et ça va commencer à devenir inquiétant. Ici, on avait déjà vu ça. Voilà, c'est ça. Alors, tu vas boire un petit peu. On a fait donc, comme j'ai dit en off, j'ai fait le magasin de bricolage. J'ai trouvé quelques trucs, deux boîtes de clous, j'ai trouvé marteau, clé anglaise, des sacs poubelles, un peu de babioles, des graines, sacs poubelles, on en a trois ici, quelques munitions de fusil à pompe, les cartouches, tout ça sur les zombies, ça c'était dans l'épisode. On a de quoi faire. On a de quoi faire les récolteurs d'eau de pluie. Alors là, ce qu'on va faire, on va y refaire un tour. Mais alors, je vais transvaser tout ça dans l'autre sac que je vais laisser par terre. Parce que je suis full et dans la moto, il n'y a pas de place. C'est horrible. C'est horrible. Donc, on va faire comme ça. Les clous, on n'en a pas besoin. La tchette, on en a une, on en a deux. Jambon frais, lingette, le libre. On n'a pas besoin dans l'immédiat. Pansement, deux suffiront. De toute façon, on va pas se faire toucher. La scie, on n'en a pas besoin pour l'instant. Marteau non plus. Et on va se garder. Allumette, il n'y a pas besoin. Couteau, il n'y a pas besoin. Ça, on va quand même garder ça au cas où. De toute façon, ça prend pas de place. Voilà. Et on va poser le sac par terre. Et on viendra le reprendre. On va monter vite fait à pied. Éviter d'attirer les aides. Et en montant, on va manger. Parce qu'il a faim. Félix a faim. Toujours en prise de poids. 77. Et on a perdu le très maigre. Donc ça, c'est bien. Ouais, ça, c'est bien. Je pensais que c'était à partir de 78 kilos qu'on perdait. Après, je sais pas. Je suis peut-être monté à 78. Redescendu, je ne sais pas. Mais logiquement, je pense que je l'aurais vu. Alors, on va essayer de se garder ça après. Antidouleur. Je les avais pris parce qu'à dormir sur la chaise, j'avais une douleur au cou qui a disparu. Niveau compétences, on en est où? 3 menuiseries, ça n'a pas bougé. On a bientôt 2 en hache. Il faudrait qu'on monte un peu la spire aussi. Tâcher de faire ça. On va nettoyer ce petit groupe-là. Faisant très attention et j'ai vu. Voilà, faudrait qu'on aille un peu vers le haut. Vers le haut à droite. Allez, faut que ça tombe relativement vite. Et on gagne le point H. Parfait. Que demander de mieux. Si ce n'est de ne pas se faire croquer. Là, il n'y a rien d'intéressant. Ici non plus. Là non plus. Alors, j'ai augmenté un tout petit peu le son de la musique. J'espère vraiment que ça va passer comme ça. J'espère vraiment que
va pas être trop fort. Logiquement, ça passe. Le magasin de bricolage en question, il est juste ici. J'ai fait. Je n'ai pas fait ça. Ça va pas clear toute la ville là. Le but était juste de trouver des... Un marteau, des clous. Déjà. Là, il n'y a rien. Si. Frigidaire. Peut-être du frais. Non. On n'en a pas là-bas, mais on en a dans le magasin juste à côté. Donc, je vais pas m'embêter à en prendre un ici pour le ramener. Là, il n'y a rien d'intéressant. Là non plus. Salle de bain. On va vite faire re-remplir les bouteilles. Là, il n'y a rien. Là non plus, des trombones sur le bureau. C'est pas intéressant. À l'étage. Ouais. Ouais, c'est que des bureaux en fait ici. C'est nul. Je veux du stuff. Je veux du stuff, je veux à manger, je veux un sac poubelle. Comme ça on peut faire deux récolteurs d'eau de pluie. Menuiserie volume 2. On ne l'a pas lu. Je ne pense pas l'avoir, donc on va le prendre. Électricité volume 4, cuisine volume 1, tout ça c'est pas intéressant pour l'instant. Le volume 1, pas besoin, l'herbaliste. On va le lire maintenant. Et puis ça aussi, hein, c'est toujours 7 prix de toute façon. Petite lecture de la journée. Voilà, tu remets ça dedans. Alors là, il n'y a rien. Ah ouais, mais il faut que je prenne le maximum de sacs poubelles parce que si on a la coupure d'eau. Je m'aménage l'arrivée d'eau au lavabo quand même. Ouais, donc je vais prendre tous les sacs poubelles que je vois. Café, ça peut servir. Le Kondawan, ouvre-boîte, je ne suis pas sûr qu'on en ait. Casserole bouilloire, café, céréales, on peut prendre. On va re-remplir. Même si c'est 3 gouttes, hein, 3 gouttes, c'est 3 gouttes. Une banane, pomme, pamplemousse, on prend. La frotte au carreau. Cassé. Pourquoi tu veux pas prendre? Ah oui. Alors je sais pas où, peut-être en bas. Peut-être de l'autre côté. Ah là, c'est là. Ok, donc ça c'est quoi? C'est quoi? Je crois que j'étais en off dans ce magasin là. Oui, si c'est ouvert, j'y étais. C'est ouvert, j'y ai été. Tu mets ça là, tu mets ça là. Je peux manger le pamplemousse. Et on va continuer à fouiller en haut. Toujours pas de sac. Lui, c'est quoi comme sac? C'est le même que le mien. Allez, on peut vite mourir, s'il te plaît. Okay. Impeccable. Impeccable. J'ai pas... Si j'ai fait ça, je crois.
Non, j'ai pas dû faire. Non, j'ai pas dû faire. Je n'ai pas fait. On pourrait pas avoir des choses intéressantes. Une scie de jardin. Je crois que j'ai déjà. On va reprendre au cas où. Thomas, cette tournevis. Je sais plus. Je sais plus. Veuillez m'excuser, mais j'ai 3 parties en cours. La partie en solo sur ma chaîne, j'ai la partie en coopération aussi sur ma chaîne. Et j'ai une partie uniquement en stream. Que je fais justement avec les viewers. Si jamais vous êtes intéressé, n'hésitez pas à venir. Il y a juste à venir à passer sur mon stream. Et voilà, vous me dites que vous êtes intéressé et je vous ferai une place volontiers. Une cassette. Pour l'instant, je suis pas intéressé. Cri de couteau, couteau, c'est bon à prendre pour l'instant. On doit avoir des couteaux de chasse, je crois, mais autant les prendre. Un arrosoir, je crois que j'en ai pris un. On va reprendre au cas où. On a un petit peu de place. Des graines, on en a jamais trop. Il y a du fromage frais, mange. Je vais même prendre les deux autres. Voilà. Le lait, on va le prendre aussi pour faire du... du fongicide. Le fongicide se fait avec un lait. Uniquement un lait et un vaporisateur. Pour traiter les maladies de vos plantations. Si jamais vous ne le saviez pas, je suis ravi de vous l'apprendre. Boire, remplir l'arrosoir. Non, juste ça suffira. Bon, là, c'est vide. Est-ce qu'on a quelque chose ici? Oui. Une toute petite réserve. Serpillière. Cadenas, ampoule. Pas intéressé. Quand on voit qu'il y a un truc là. Ah, c'est ici. La réserve un peu plus grande déjà, c'est mieux. Des cubes de bouillon, marteau, râteau, déplantoir, arrosoir. Boîte de conserve. Des pâtes. Petite biche, pelle, râteau. Ouais, il n'y a rien. Des boîtes, des boîtes, des boîtes, des tortillas. Et lentilles sèches, des pois. Ça. Ok, c'est tout. Là, ici, est-ce qu'on a des sacs poubelles éventuellement? Oui. Il nous a pas vu. On a de quoi se faire 3 récolteurs de pluie, c'est très très bien. Très bien, on va pouvoir en mettre 2 pour le lavabo. Et on va pouvoir en mettre un pour le jardin. Petite maison. Est-ce qu'on peut fouiller encore un peu? Ça va être short. On va préférer une maison avec un petit peu plus d'intérêt là. On va remonter. On va remonter et essayer de trouver d'autres bâtiments intéressants. Mange-moi la pomme. Niveau poids, t'en es où mon petit là? 77 avec 2 chevrons. On va ralentir. C'est quoi ce magasin? Non, c'est celui-là que j'ai fait. Oui, le carreau est cassé. C'est celui-là que j'ai fait. Et c'est ce que je vous ai dit juste avant. Mais je suis perdu. Je suis rentré par là. Je suis perdu. Je vais juste refaire un tour au cas où si j'avais pas oublié. J'avais oublié certaines choses intéressantes. J'avais le seau et tout ça, on s'en fout. Les poubelles là, j'avais dû prendre. Les bottes militaires, on a déjà. Il est, on s'en fout, sa poubelle, on prend.
J'ai envie de fumer, on va se fumer une petite cigarette tout de suite. Retirer. Attends, tu me mets ça ici. Spécial électronique, fabriquer une télécommande V2. Ça nous intéresse pas, nous. Électricité, volume 1, je sais pas si j'ai pris. De toute façon, on prend. Vaut mieux prendre et trier ensuite. Je pars de ce principe-là. De faire ci, tournevis, bêche. Duct tape, on va prendre. J'aurais eu une voiture, j'aurais pu prendre tellement plus de choses. Il y a des planches gratuites ici, on aurait pu les prendre. J'avais oublié ça. Et ici, fertilisant. Bio, fertilisant. Fertilisant. Rien de plus. On va ressortir. On va ressortir et continuer de monter un peu s'il y a d'autres maisons. Ouais, il y en a d'autres. On va continuer un peu encore. En plus, ça arrive là. On va aller leur rendre un petit baiser de la hache. Comme ça. Rien d'intéressant. Nul. Burger. Il y a du monde. Une maison sur deux étages. Trois étages. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ouais, c'est ça. Une station. La musique est si triste. Je ne veux pas mourir. Ok, il n'y a personne. On va peut-être trouver des cigarettes. On a une grosse réserve de cigarettes. Et si vous connaissez le jeu, on n'en a jamais trop. Là, je mange. Ici. Oh là 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 là, mais regardez-moi ça. 6 paquets de clopes encore. Ici. On aurait pu être bien ici, hein. La base n'aurait pu être ici, hein. Briquet. On va lire ça vite fait. On aurait pu se faire la base ici, hein. On aurait été tellement bien avec la station, on entourait la station. Dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi juste si vous voulez qu'on change de base ou non. Vous voulez qu'on s'installe ici à la station ou si vous voulez qu'on retourne. On va y retourner dans tous les cas, mais si vous voulez qu'on reste là où on est actuellement. Ici on pourrait être tellement bien, regardez-moi ça. Une maison déjà. Qu'est-ce qu'il faut? Il y a frigidaire. Télévision. Une chambre. On pourrait même casser le mur ici et faire un escalier pour monter sur le toit, pour faire le jardin. Moi je dis ça se tente. J'ai bien envie. On aurait la station à portée de main. Juste à poser un seul générateur. On va même passer la nuit ici. Je pourrais essayer le lit. Juste comme ça. Peur de dire, on a dormi dans un bon lit. L'autre, on ne l'a pas barricadé, donc... à part... Moi, je pense qu'on va se mettre là. Je pense qu'on va se mettre là. On a des frigidaires et tout ça, là. On a la station. On a de quoi faire. Franchement, on a de quoi faire. On va se mettre ici. On va se mettre là. Je me sens bien. La poubelle, on va
tout mettre ici du coup. Et puis bah je vais me vider un peu ici. Fais pas le con Félix parce qu'on va pas s'installer du coup hein. Ok par contre faut taper celui qui est au sol. On va essayer de les tuer par là. Pas chez nous. Évitons. Évitons cela. À chacun votre tour. Ouais, je pense qu'on va être bien ici. Je me vois bien habiter là. Ok, là, pour aller se baigner. Ici, on va pouvoir encadrer. Ici. Là, on va pouvoir remonter là. Ou ici, on va monter là, comme ça. Et on va faire tout ça. On va mettre un portail ici. Une petite porte par là, une petite porte par ici. Et voilà, on va être très bien. On va avoir toute cette zone-là. Niveau bois, il y a ce qu'il faut à côté. Il y en a quelques-uns à côté, donc on va être bien. Congélateur. Je pense... commencer à faire des tours en off. Non. Ferme-moi le rideau. Ici, on va mettre un mur. On va refaire une porte ici. Sécuriser un peu plus. Et est-ce qu'on avait... dans la bébé lélothèque. On va reposer déjà ce qu'on a pris. Comme ça. Ça. Une frigidaire. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre ça avant que ce soit plus frais. Et ici, on avait encore du frais. Comme la pomme, le fromage. Voilà. Est-ce qu'on peut démonter ça et tenter d'avoir un marteau? J'ai pas mon marteau sur moi. Ok. Salle de bain. Cuisine, tout ce qui est boîte de conserve, j'en ai sur moi encore. On va poser ça ici. Le café aussi, celle-là, on va la garder. Céréales, on va pouvoir le mettre ici. Le lait. Le lait, qu'il soit frais ou pas, on s'en fiche. De toute façon, c'est pas pour nous. C'est pour le jardin. Cocon d'avoine. Ici. Tout ce qui est graines et tout ça, on va les mettre en bas. On va se coucher de bonne heure ce soir. On va mettre ça là. On va mettre ça là. Ça aussi. On triera plus tard. Il me faudrait juste éventuellement un carton. Un carton vide de préférence. Allez. Donc c'est celui-là. On va le prendre. Tiens, des objets, pieds de biche. Non, oui, le carton là. Voilà. En plus, c'est bien calme ici. Enfin, là-bas, c'était calme aussi, hein, vous me direz, mais. On va le mettre là, le carton, hein, en attendant. Comme ça. Et on va mettre tout ce qui est clope et tout ça en attendant. Allumette. Briquet, j'en ai 7. Même si je viens de penser à l'instant qu'on aurait pu les mettre en bas dans la station. C'est pas grave. Je rangerai en off de toute façon. On va mettre ça là histoire de se vider un petit peu. Duct tape aussi. Ici, j'avais vu l'ouvre-boîte. Et là, on est bien... pour le moment, on va aller faire un gros dodo. Tester notre nouveau lit. L'alarme qui est à
On va mettre à 7h30 cette fois. Parce qu'on va bien dormir. En espérant ne pas être dérangé. On se réveille à 3h30. Ok. C'est qu'il a suffisamment dormi. Est-ce qu'on n'aurait pas électricité 1 à lire? Non, 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 mais je suis bête. Menuiserie 2. Ça va être utile. Rapidement. Lis-moi ça jusqu'à 6h30. Commence à avoir faim. Ça va, ça lit bien. On va être à la moitié. Là, on arrête. 6h30, tu branches ça. Là, tu mets ça là. Et lui, tu vas me le placer ici. Comme ça, on ne le cherche pas. On va chercher la moto. Il faut que je mange. Faut que je mange. Ça, je vais le mettre là. Et ici, on va prendre le genre. Non, un fromage. Fromage. La pomme. Niveau poids, ça monte encore. On va rester comme ça pour l'instant. 10h40, l'émission vient de se terminer. Je suis trop nul. Je suis nul. Congélateur, est-ce qu'on avait des glaces éventuellement? Pas du tout, il est vide. Ok. On va assumer une petite clope. Et puis on va récupérer la moto. Paquet de clope vide. D'accord. Il y a un autre de secours. Un paquet presque entier. Bah oui, il manque une cigarette. C'est bien ça. Bon allez, je vais récupérer la moto. Tirer, mais comme par hasard, vers la station. J'espère que ça va pas tirer trop de Z. Ce serait bien qu'on soit tranquille. Du coup, j'avais posé ça au sol. Je vais pouvoir la récupérer. Maintenant qu'on est vide. Ça va pouvoir servir mon sac à dos. Le récupérer ici en main secondaire. Monte sur ta moto, Michel. Il a avancé avant même de démarrer. Ok, pourquoi pas. Alors, j'ai croisé aucun Z en descendant. J'espère ne pas en croiser en remontant. D'accord, il y en a deux ici, trois. Ici aussi. Hop, on va laisser la moto là. Et on va vite poser le sac à dos par terre. Parce que ça arrive. Pas du tout. Eux, ils sont sourds. Non, il n'y a personne? Ok, pourquoi pas, bah tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Ça, on va démonter, on va peut-être pouvoir trouver quelque chose. Ah si, il y en a deux en bas là. On va aller les voir. Nettoyer un peu la zone.
quelques cadavres chez nous, c'est pas grave, on les nettoiera. Montre tout ça, on fera le tour plus tard pour les monter l'électricité. De toute façon, le plus simple, le mieux, c'est quand même de, démonter les ordinateurs ou les télés. J'ai nous aussi une porte en métal. Ok, donc ça va pas être pour maintenant. Il y en a un, je crois, dans le magasin, de toute façon. Alors, on va me reprendre le sac à dos en main secondaire. Est-ce que tu vas pouvoir vider un petit peu ici? Tu vas pouvoir tout prendre logiquement. Pour vous dire à quel point les sacoches, elles sont petites. Elles ne font que 15. Donc c'est infect. On peut rien transporter. On va se vider un maximum en bas, je pense. Tout ce qui est boîte et tout ça que j'avais pris pour pas trop en stocker en haut. Où est-ce qu'on peut mettre ça? Pour pas faire n'importe quoi non plus. Là, faudrait qu'on le mette dans le comptoir à côté. Vas-y, s'il te plaît. Merci. Voilà, et au pire, tout ce qui est graines et tout, on va mettre ça là-dedans. Tu peux le prendre, oui. Risque de casse, 50, on va pas le faire. On va pas le faire, c'est pas grave, on va mettre tout ce qui est graines et tout ça ici. Paquet de clopes, paquet de clopes. Déplantoir. Arrosoir. Ici, ici, il n'y a rien. Ici, cartouche. Paquet de graines. On va mettre ça par terre pour pouvoir l'emmener dehors. Hop. Ici. Il y avait des graines qu'on avait posées à l'arrache. On va aller là-haut. Niveau livre, on en a quelques-uns. Voilà. Ça. On fera le tri après si on en a en double ou en triple. Ça, c'est pas gênant. En vrai, je vais remettre ma pomme avant qu'elle pourrisse. Tout ce qu'on va démonter pour le moment. On va placer ça là. Ça, placer. Là aussi. Ça va pouvoir retourner dans le camion. J'ai mis les clopes ici. J'ai mis les clopes ici, donc les cartouches. Briquet, j'en ai un ici. Ça, c'est bon. Lui, il est ouvert. Toi, tu vas là. Toi, tu vas là. Niveau clopes, est-ce qu'on en a encore? Un peu le tri avec vous et vous inquiétez pas, le reste je le ferai en off. Quand même que vous voyez un petit peu de tri. On est bien. Livre ici, j'en ai encore un là. Livre ici. Non, ça coupait le ruban. Si, il y a ça. Je vais mettre dedans. Après tout ce qui est armes et tout ça, je pense qu'on va mettre ça là. Mets ça à côté. Voilà, ça fait que 26, mais je me dis toute cette rangée là, on va la virer. Après, on va se mettre des étagères métalliques. Et en attendant, on peut commencer à mettre ça là. Tout ce qui est armes de mêlée, armes tout court quoi, armes à feu. Donc les munitions avec. On va bien nous vider ça parce que on en a beaucoup.
La arme de mêlée, j'en ai une autre ici. Là, j'avais quoi? Une autre hatchette. Là, j'ai une autre hatchette aussi. Donc, ça me fait deux hatchettes. Tout ce qu'il y a là-dedans, je peux les enlever et les mettre là. Marteau. Marteau, j'en ai un ici, je crois. Marteau, j'en ai pas. Marteau, je vais le garder sur moi. Là, si, je peux la mettre. Bah, pas ici. Pas ici. Bricolage, on va se mettre ça où? Bricolage, en attendant, on va se mettre ça là. À l'arrache là-dedans. Clé. Si. Corde. Eau. Clou. Clou. Encore. Le bidon, on va le prendre. On va les remplir avant qu'on ait une coupure. D'électricité. Sans ce sac-là, je vais le vider entièrement. Bêta bloquant, tu vas prendre sur toi. En attendant, les chips aussi. Les allumettes, ça va être à l'étage. On va remettre ça ici. Est-ce qu'on avait une armoire en haut? On va essayer de ranger correctement déjà. Hein. Sinon, on n'a pas fini ici. On va y mettre le sac bleu, celui-là. Voilà. Niveau vêtements, nous avons rien d'autre. Posé par terre? Non, placé. Il veut pas me le placer, lui. D'accord. Ok, c'est pas grave, je vais le poser là. Par terre, on y aura accès quand même. La poubelle, ruban, tout ça, ça va aller en bas. Lingette, Là, tu peux le prendre ici. Tout ce qui est médical, on va se mettre ça en bas. Là, sur cette petite étagère là. Celle-ci. On va poser ça. Aiguille de suture. Bandage. Pansement. On va garder le bandage. Ici, on a quoi? On a deux pansements. Hop. J'ai fait un petit tri. J'ai pu voir en accéléré. J'ai rempli aussi tous les jerrycans. Je me suis dit, il vaut mieux prévoir au cas où de la coupure parce que ça pue un peu. On a déjà la coupure d'eau. La coupure d'électricité en plus me ferait bien chier, je vous l'avoue. Ce qu'il va falloir qu'on fasse, c'est monter la menuiserie. La coupure d'eau. On a déjà eu la coupure d'eau. Pas d'électricité en plus me ferait chier. Ouais, je crois que... Mais c'est ce que j'ai dit en fait. Laissez tomber. Hein. Ce qu'il va falloir qu'on fasse, c'est un escalier ici. On va faire l'escalier là, sur le côté. À partir de... Je crois que... Là, il y a un passage ici. On va enlever... on enlèvera le carton, on enlèvera la plante, on fera une porte ici. On fera un escalier ici. Et à l'étage, on fera un... Une rambarde là pour aller jusqu'au bout. On mettra le générateur là, je pense, par là. Et ici, on se fera une plateforme là, une plateforme ici et une plateforme ici.
mettre 3 récolteurs d'eau pour pouvoir remplir le robinet. Je pense que c'est le plus simple. Après, je pourrais... Il y a plus simple encore. Hein. Je pourrais décaler... Ouais, décaler le robinet à cet état, au rez-de-chaussée, casser juste un mur. Ça éviterait de faire un escalier. Mais ben voilà quoi, j'ai pas envie de casser autre chose. Donc le vapeau, on finit vite fait le nettoyage. Le nettoyage, le vidage. J'ai tellement de trucs sur moi. Là, je me sens perdu. Là, il y a plein de boîtes de conserve. Ici, paquet de clopes. Chips, on va garder. Bouteille d'eau. On va re-remplir nos deux bouteilles. Remplir. Voilà. Les chips, on peut mettre ça là pour l'instant. On va lui faire fumer une cigarette. Mais les allumettes, je vais pouvoir les mettre en bas. Au pire, est-ce que je garde pas, je vais mettre ça là parce que c'est terrifiant. On trouve un générateur. Je sais plus si on en avait vu ensemble. Comme je vous ai dit, je confonds toutes les parties. J'avais commencé à stocker ici des clopes. Non, tout est à l'étage. On va s'y faire. Ne vous en faites pas. Briquet. Allumette. On a de quoi faire. Hein. 2,14. Il y a 2 cartouches. Ok, il s'est cru sur un circuit. Pourquoi j'ai mis ça là? On verra. On verra. Tant pis. On met ça là. C'est là. On met ça là. On est des fous. On triera après. Je le ferai en off. Déjà, je vous ai fait subir beaucoup de tri. Beaucoup de tri. Là, il est 15h. On a largement le temps de retourner à l'ancienne base. Est-ce qu'on va faire, vu qu'on va pas être là, on va laisser tout ouvert pour pas qu'il nous pète les portes. Le temps qu'on revienne. Alors, j'ai vu que j'avais... Ça, j'en ai 2. Ça sert à rien. Voilà, les sacs poubelles, on va les enlever et puis on y va. On y va de suite. Sacs poubelles 4. 7 et 3, 7. Oh, mais non. Mais ils m'ont fait peur. Ça m'a débouché le nez encore. C'est bien ça. Il y a rien. En plus, vous m'apportez rien. Vous me faites chier, là. Apportez-moi des armes. Apportez-moi des cigarettes. Apportez-moi... un truc. Ouais, plein de trucs. Allez, c'est parti. Pour la petite balade. Ancienne base. Une éclipse. On se retrouve là-bas. On se retrouve juste à côté de la base. Alors pour vous, ça a duré 2 secondes. Pour moi, c'était un enfer. Il y a énormément de zombies sur la route. C'est infect. Je ne sais pas ce qui leur a pris. Il n'y avait pas autant de véhicules que ça la dernière fois. Je m'en souviens pas. Ça fait combien de mois qu'on est passé là? Combien de mois? Combien d'années qu'on est parti? Ok, c'est bien revenu. Hein. Ça m'embête de laisser la remorque ici par contre. Ça m'embête. On est légèrement fatigué. On va passer la nuit ici. Je pense que c'est la façon la plus sûre. Je pense. De toute façon, sinon on aura la route de nuit. Et ce n'est pas intéressant. On peut rentrer la moto pour la charger, ça serait plus simple, non?
Ça se fait, hein. Moi, je le fais chez moi. Hein. Je rentre ma moto. Hein. Dans ma salle à manger. Hein. Que j'ai pas. Enfin, la moto que j'ai pas. Comment ça, ça passe pas, là? Comment ça, ça passe pas? Faire. Je protège ma moto, voyons. Ok, ça arrive déjà. On va vite être dérangé, je vous le dis, moi. On va ressortir l'arme. Ne viendez pas tous. Ils viennent tous, je sors l'arme. Je vous le dis. Il y en a deux, trois. Un runner! Oh! Comment il s'est croûté? Comment il s'est croûté? Oh, c'était trop drôle. Je vais s'admirer ça. Oh, j'ai trop adoré. Mais c'est croûté comme une merde. J'avais plus qu'à le piétiner. Il a fait un de ses plongeons, mon pote. Le pauvre. Il est déjà mort. On l'a retué. Mais en plus, on se moque de lui. Là, on va prendre le strict nécessaire. Parce que je ne pense pas pouvoir tout prendre. Ça, on va prendre. Parce qu'on va jouer avec cette arme-là. Calibre 12, il n'y en a pas. Donc, on se fait pas trop chier. Un imperméable. On va en prendre un. Il pleut, qu'on se fait le jardin, on se fait un petit truc posé ou de la construction. On va même en prendre deux. L'état, j'ai pas regardé l'état de l'autre. On va même en prendre trois. Non, je rigole. On va arrêter là. Deux suffisent. Mais je suis en train de me poser la question. Est-ce qu'on peut pas le mettre au-dessus? Enfiler sans la capuche. Est-ce que ça nous enlève un vêtement? Non? On peut le garder? Et je préfère un verre en fait, là je ressemble à un petit poussin comme ça. Un verre en bon état. État. Pouvoir isolant, on s'en fout. Avec la capuche. Hop là, regardez-moi ça, comment elle est beau, on a le swag. Ah mais si, je suis con, mais je regardais pas. D'accord, il a enlevé la veste de camouflage donc. Non, merci. Pas pour le moment. Et tu me remets le casque. Tu me jettes le mégot par terre. On s'en fout, on n'habite plus ici. Alors vite, un petit tour. Couteau de chasse, on prend. Cleaning kit, on prend. Lit de camp, on n'a pas besoin. On a un bon lit là-bas. Ça va être mieux que ce lit de camp. 9-22. Calibre 12, on prend. C'est vrai qu'on se souvienne qu'ici on a du 5,56, du 7,62. On a énormément de balles. On viendra plus tard. Quitte à venir un jour en véhicule. Ça je le prends. Totchias. Bien sûr on prend. Je compte bien jouer à l'aspire, comme je l'ai déjà dit. Là, y a pas.
Là non plus. Cleaning kit, ouais, on en a beaucoup, hein, mais... pourquoi pas, j'ai envie de dire. Ça ne prend pas trop de place. Corde pour transporter les bûches. Très bien. 9,19, 5,56. Là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. On va déjà se vider un peu dans la mat auto. Qu'est-ce qu'il y avait par terre comme boîte? Bah, du 12. Allez, on prend. On va mettre ça ici. Les cartouches. La clé molette, la corde. Le taux de chasse. Ça aussi. Les imperméables. Le mec, il vient ici, il prend juste des imperméables et des munitions. Il a tout compris à la vie. Munitions. Allez, on va vite fait fouiller là-haut. La planche, on s'en fout. Je t'ai apprécié. Petite base. On va prendre ça aussi. Le clou, on n'est pas... Hein. Nous sommes des rapias. Un clou est un clou. Hein? On va la prendre, on va pouvoir la réparer. Râteau à main, on s'en fout, on a des déplantoirs, ça on prend. Les cartouches de clope, évidemment, on prend tout, ça aussi. Allumette, sac, poubelle, talkie, on prend. Le livre, on peut prendre. Non, le livre, on s'en fout. On s'en fout, le fusil à... Pardon, le fusil à pompe. Bien sûr, qu'est-ce que t'attends? Oui, pardon, attaché sur le dos. Je comaté. 9,19, beige, ça, on s'en fiche. Calibre 12, une boîte entière. On va la prendre. Calibre 12 aussi. WD-40, on s'en fout. Cleaning kit, on s'en fout pour l'instant. 45, une roquette haute vélocité, on s'en fout. Calibre 12, on prend. Là, je vise vraiment le calibre 12 pour le moment, pour monter la visée. Et ensuite, on verra pour prendre une autre arme. Ok, on est très bien, maintenant. En fait, on n'avait rien à prendre pratiquement, à part les armes, quoi. La poubelle, éventuellement. Voilà. Tout sac, poubelle est bon à prendre. On se vide. Dans la moto. Je referai un tour en off. Histoire d'être sûr de ne rien avoir oublié. Checker aussi dans le magasin qui est à côté. La suite se déroulera dans le prochain épisode. En attendant, j'espère vraiment que cet épisode vous aura plu. Pas très très mouvementé, mais on a pu trouver un autre endroit où poser le pied. Qui pour moi est beaucoup mieux que celui-là. À voir ce que ça va donner, à voir ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire vraiment ce que vous en pensez en commentaire. Je serais ravi de voir vos commentaires. Je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien, c'était Devil. Et ciao.